Hello everyone, this is Alelwyn, and I am determined not to disappear for months on end anymore. So today, I'm going to do a bit of reading from one of my textbooks. It's very, very cold outside, so everybody's taking their cars everywhere. So the apartment is quite noisy. Also, we need to get batteries for the fire alarm, so that's beeping periodically. But I'm going to read to you from my textbook for my psychometric theory class. It was the driest thing I could find in terms of material, so even those of you who speak French, because it's a French textbook, will probably be put to sleep. So I'm going to set the microphone down somewhere, and then I will start reading first in a soft-spoken voice, and then moving into a whisper. Okay? Let's start now. Mathieu a répondu correctement à 36 items d'un test de vocabulaire. Est-ce bon ou mauvais? Marie a répondu oui à 14 des 30 items d'un test d'évaluation de l'anxiété relative au test. Est-ce à dire qu'elle aborde les tests avec une anxiété exceptionnelle ou avec un calme hors du commun? Daniel a bien répondu à 52 items d'un test de lecture qui en comptait 80 et à 24 items d'un test de science qui en comptait 40. Est-il relativement plus doué en lecture qu'en science? Les réponses à de telles questions font intervenir les nombres de tests. Il s'agit au départ de traduire ce qu'on appelle score brut en un type de score normé. Le score brut correspond au résultat plus ou moins immédiat des réponses d'une personne à un test. Dans le système de score normalisé, le score brut d'une personne est comparé au score de personnes faisant partie du groupe de référence. Les scores normalisés sont également appelés scores transformés ou scores dérivés. Ce chapitre s'attarde aux deux principales questions relatives au nombre de tests. Premièrement, quels sont les types de normes couramment utilisées? Deuxièmement, que sont les groupes de référence, c'est-à-dire d'où viennent les normes? Les scores bruts sont en partie déterminés par des caractéristiques du test, comme sa longueur, la limite de temps prévue, le degré de difficulté des items et les circonstances dans lesquelles le test est soumis. Par conséquent, il est difficile d'interpréter les scores bruts sans autres renseignements. L'interprétation et les analyses statistiques peuvent être facilitées par la conversion des scores bruts en un ensemble de valeurs complètement différents, appelés scores dérivés ou scores gradués. Les notions fondamentales des normes ne sont pas propres au domaine des tests psychologiques. Tous les jours et dans divers contextes, on utilise les notions de score brut et de position relative au sein d'un groupe. Voici quelques exemples illustrant ce propos. Une taille de 2 mètres, ce n'est pas très grand pour un arbre, mais ça l'est pour un humain. Même parmi les humains, cette taille n'est pas très impressionnante pour un joueur de la National Basketball Association américaine, mais est parfaitement étonnante pour un élève de 6e année. Une fréquence cardiaque de 100 n'est pas exceptionnelle pour un nouveau-né humain ou pour un adulte qui vient de faire un exercice vigoureux. Par contre, chez un adulte au repos, cette fréquence peut signaler un problème de santé. Que penser du fait de courir les 100 mètres en 24.01 secondes? Pour un sprinteur membre d'une équipe d'athlétisme de niveau secondaire ou collégial, c'est un temps désastreux. Cependant, ce fut le temps enregistré en mai 1999 par Erwin Jaskulski, qui a établi un record mondial dans la catégorie des 90, 95 ans et plus.
Ces quelques exemples montrent bien qu'on interprète tous les jours diverses données en les situant au sein d'un groupe. Dans le domaine des tests psychologiques, ces comparaisons prennent la forme de normes. Voici d'autres exemples de scores bruts. Il précise le contexte des normes citées plus loin dans le chapitre. Mathieu a répondu correctement à 36 items d'un test de mémoire à court terme. A-t-il une bonne mémoire? Marie a répondu oui à 14 items d'une évaluation de l'anxiété relative au test. Aborde-t-elle les tests avec calme ou est-elle encore désespérée? Daniel a répondu correctement à 32 items d'un test de lecture et à 24 items d'un test de mathématiques. Est-il relativement meilleur en lecture qu'en mathématiques? Nicole mesure 157 cm. Est-elle particulièrement grande ou petite? Ou est-elle dans la moyenne? Le pouls de Tom est de 71 battements à la minute. Est-ce normal? La petite Abigail a reçu la note de 7 sur une échelle d'affabilité de 10 points. Est-elle un ange ou une peste? Les normes de test reposent sur les notions élémentaires de la statistique descriptive. Il est présumé que le lecteur a suivi un cours d'introduction à la statistique et qu'il pourrait avoir besoin de mettre à jour ses connaissances sur la matière abordée dans ce cours. C'est le sujet de cette section. Ceci n'a pas pour but de reprendre un cours complet de statistique, ni d'enseigner le calcul statistique. Elle constitue plutôt une révision rapide de cette matière, et aborde les principales notions de statistique univariées. Le chapitre 4 comprend une mise à jour sur la statistique bivariée, c'est-à-dire la corrélation et la régression. Les exemples de cette section utilisent de petites banques de données afin d'illustrer diverses statistiques. En pratique, les banques de données sont habituellement beaucoup plus importantes, comptant souvent des milliers de cas. L'application de la statistique à ces grands ensembles de données fait appel à des progiciels. Parmi les progiciels couramment utilisés, on peut mentionner SPSS, SAS, Minitab, SimStat et SysStat, mais il en existe de nombreux autres. Le logiciel Excel de Microsoft, plutôt orienté vers d'autres applications, fait également du calcul statistique. Quel est le lien entre le domaine de la statistique et celui des tests psychologiques? Pour répondre à cette question, il faut comprendre les nuances du terme variable. Une science est construite autour des variables qu'elle étudie. L'intelligence, l'extraversion, l'inadaptation et l'acuité visuelle sont des exemples de variables en psychologie. Les sujets, humains, rats, etc., qui font l'objet d'études se situent à différents degrés par rapport à ces variables, au chapitre de la quantité, de l'intensité ou de tout autre type de mesure semblable. On peut décrire les variables selon trois niveaux de généralité. Au niveau le plus général, la variable est décrite et définie verbalement, ce qui constitue un construit. Par exemple, l'intelligence peut être définie comme la capacité de manipuler des symboles abstraits. L'inadaptation peut l'être comme la sensation ou la preuve objective de grandes difficultés à mener les activités de la vie quotidienne. Au deuxième niveau, la variable est mesurée. Il s'agit de la définition opérationnelle de la variable. C'est de ces mesures que traite le domaine des tests psychologiques. Ce domaine étudie les caractéristiques des mesures et répertorie les mesures existantes. Le troisième niveau concerne l'obtention de données brutes, chiffres résultant de l'application des mesures. Les statistiques font appel aux données brutes, lesquelles constituent le niveau le plus spécifique d'une variable. Étant donné que les données brutes proviennent des mesures, les statistiques fournissent les sommaires et traitements des mesures qui présentent un intérêt. Bien sûr, c'est la variable située au niveau du construit qui soulève toujours le plus d'intérêt.
Le domaine de la statistique compte deux principaux volets, soit la statistique descriptive et la statistique inférentielle. La plupart des études engendrent une bonne qualité de données, une bonne quantité de données brutes. Par exemple, des tests peuvent donner plusieurs scores pour des centaines de personnes. La statistique descriptive aide à résumer ou à décrire ces données brutes pour faciliter la compréhension des résultats. La plupart du temps, les données proviennent d'un échantillon de personnes faisant partie de la population visée par l'étude. La statistique inférentielle aide à tirer des conclusions, inférences, sur ce qui est probablement vrai au sein de la population en fonction de ce qui a été découvert au sujet de l'échantillon. Les variables sont évaluées ou quantifiées à l'aide des échelles de mesure. Stevens a classé les échelles en quatre types auxquelles la statistique et le testing font souvent référence. Il est important de bien distinguer ces types d'échelles car certaines opérations arithmétiques et statistiques peuvent s'appliquer à certains d'entre eux mais non à d'autres. Les échelles sont classées selon leur niveau de sophistication. Au niveau le moins perfectionné ou le plus primitif se trouve l'échelle nominale. Celle-ci distingue les objets les uns des autres en leur attribuant des numéros qui n'indiquent aucun ordre de grandeur, de taille, ni aucune autre distinction quantitative. On peut donner l'exemple des numéros sur les chandails de baseball, des numéros d'assurance sociale et des codes 1 et 2 attribués lors de la codification informatisée des genres homme-femme. Sur une échelle ordinale, les objets portent des numéros qui en indiquent l'ordre, comme un trait plus ou moins important, sans préciser les distances qui les séparent sur l'échelle. Le classement par ordre de grandeur constitue un exemple d'échelle de grandeur. Par exemple, les classements des équipes de football, 1, 2, 3, 4, 25, se font sur une échelle ordinale. Sachant cela, il est impossible de supposer que la différence de performance entre l'équipe 2 et l'équipe 3 est égale à la différence entre l'équipe 1 et l'équipe 2. En fait, il est possible que l'équipe 1 ne soit que légèrement meilleure que l'équipe 2, alors que l'équipe 3 peut être très inférieure à l'équipe 2. L'échelle à intervalles place les objets dans un certain ordre et à intervalles égaux. Donc, sur une échelle d'intervalle, la distance qui sépare les objets 2 et 4 est égale à celle qui sépare les objets 6 et 8 ou 20 et 22. Cependant, ce type d'échelle ne comporte pas de zéro absolu. On y trouve en fait un point zéro, mais celui-ci n'indique pas une absence complète de la variable mesurée. Le thermomètre gradué en Celsius est l'exemple classique d'échelle d'intervalle. Sur cette échelle, le zéro n'indique pas une absence complète de chaleur. Par ailleurs, une échelle d'intervalle permet les additions et les soustractions. Par exemple, la différence entre 0 degré et 5 degrés est la même que celle qu'il y a entre 10 degrés et 15 degrés. Par contre, les multiplications et les divisions y sont impossibles. 60 degrés ne correspond pas à deux fois la quantité de chaleur à 30 degrés. Ni à la moitié de celle à 120 degrés. Pour formuler de tels énoncés, il faudrait utiliser l'échelle Kelvin, laquelle comporte un zéro absolu, soit le point où l'absence de chaleur est complète. L'échelle de rapport place les objets en ordre à l'intervalle égaux et comporte un zéro absolu. La plupart des mesures physiques qui font partie du quotidien, comme les longueurs et les poids, concernent des échelles de rapport. Par contre, la plupart des mesures psychologiques se font selon des échelles ordinales ou des échelles à intervalles. Quelle est la pertinence de ces distinctions qui peuvent sembler ésotériques par rapport au champ d'intérêt de la mesure psychologique? L'exemple bien connu du QI n'est pas une échelle de rapport car il ne comporte pas de zéro absolu. De plus, on ne peut affirmer que l'intelligence d'une personne ayant un QI de 150 est deux fois supérieure à celle d'une personne ayant un QI de 75.
Si l'échelle du QI n'est qu'une échelle ordinale, il n'est pas possible de dire que la différence entre les QI de 80 et de 100 signifie la même chose que la différence entre des QI de 120 et de 140. Il faut tenir compte de la nature des échelles afin de formuler des énoncés justifiés sur les mesures. La méthode de classement des échelles de Stevens, bien qu'elle soit largement citée, n'est pas la seule façon de voir les échelles. Elle est toutefois très utile à cette fin. En présence d'une masse de données brutes, il est souvent tentant d'y donner une certaine organisation. La façon la plus habituelle d'organiser les données brutes est la distinction de fréquence, ou la distribution de fréquence. La distribution de fréquence consiste à organiser les données en groupes de scores adjacents. La figure 3.1 présente un ensemble de données brutes et leur distribution de fréquence. Alors qu'il est difficile de donner un sens à un groupe de données brutes, la distribution de fréquence permet facilement de voir certaines caractéristiques comme l'étendue des scores et leur zone de concentration. La distribution de fréquence de la figure 3.1 présente les intervalles dans lesquels les scores sont regroupés, la fréquence ou quantité de scores compris dans chaque intervalle, ainsi que la fréquence cumulative, c'est-à-dire la totalité des scores compris dans l'intervalle et les intervalles inférieurs. Une distribution de fréquence est souvent convertie en graphique. Les deux formes de graphique les plus utilisées sont l'histogramme de fréquence et le polygone de fréquence. La figure 3.2 propose ces types de graphiques représentant la distribution de fréquence de la figure 3.1. Bien que la distribution de fréquence, l'histogramme de fréquence et le polygone de fréquence résument de manière précise les données brutes, il est utile de disposer d'un indice qui représente encore mieux l'ensemble complet de données. Un tel indice est appelé mesure de tendance centrale, soit le centre autour duquel les données brutes tendent à se regrouper. Trois mesures sont couramment utilisées en guise de tendance centrale: la moyenne, la médiane et le mode. La moyenne correspond à la moyenne arithmétique. Elle est représentée par le symbole M ou X bar qui se... La formule est M égale somme des X divisé par N, où X est égal à la somme de la donnée brute, N égale le nombre de scores, et oui, c'est ça. La médiane est le score qui se situe au milieu lorsque les scores sont ordonnés de plus bas au plus élevé. Elle divise la série de scores en deux. Le mode est le score qui figure le plus souvent dans une distribution. La figure 3.3 donne des exemples de ces trois mesures de tendance centrale pour un petit ensemble de données. La mesure de tendance centrale fournit un résumé très pratique des données, mais n'indique rien quant à la dispersion des données. Par exemple, deux ensembles de données peuvent avoir la même moyenne, mais dans l'un d'eux, tous les scores peuvent se retrouver
de la formule est remplacée par n-1. La formule ne donne pas une idée intuitive de la façon dont les quantiques mesurent la dispersion. Elle a toutefois des applications mathématiques utiles à d'autres fins, de sorte qu'on s'y habitue tout simplement. Les quantiques est très utilisée plus loin dans le chapitre. La variance, simplement notée, de dispersion très proche de l'écart-type. Inversement, l'écart-type est la racine carrée de la variance. Dans certains travaux de statistiques avancées, la variance est plus utilisée que l'écart-type. Dans les tests psychologiques, celui-ci est plus fréquemment utilisé, bien que de manière non exclusive. La figure 3.4 de l'écart-type, la variance et l'étendue d'un petit ensemble de mesure de dispersion. Comme son nom l'indique, il s'agit de la distance séparant le premier quartile du troisième. Ces quartiles correspondent respectivement au 25e et 75e centile. Si les percentiles sont déjà disponibles, comme c'est souvent le cas des données de test psychologique, il est facile de déterminer l'écart interquartile. Le score Z, ou simplement Z, est définie de la manière suivante. Z égale X moins M divisé par écart-type, où X est un score unique ou un point de données, M est la moyenne et écart-type est l'écart-type. Dans la distribution des scores Z, M égale 0 et écart-type égale 1. De ce fait, peu importe les valeurs des scores bruts initiaux, lorsqu'ils sont convertis en score Z, ils ont toujours la même moyenne et le même écart-type. Z pour tracer la courbe normale en fonction des surfaces sous la courbe. La figure 3.5 illustre l'utilisation qui est faite des scores Z pour déterminer les surfaces sous la courbe normale. Il faut se rappeler les statistiques. Il faut se rappeler les tableaux des surfaces sous la courbe apportés en statistiques élémentaires. Puisque les scores Z ont une moyenne et un écart-type commun, peu importe les valeurs des scores bruts initiaux, celle-ci joue un rôle crucial dans l'élaboration de certaines normes de test. En psychologie, le testing fait souvent référence aux formes des distributions de fréquences en ce qui concerne les scores de test. Pour décrire ces formes, il faut se familiariser avec les termes utilisés. Le point de référence ou distribution de référence est représenté par la courbe normale, aussi appelée distribution normale. Normale, distribution gaussienne ou courbe en cloche en raison de sa forme. Engendrée par une formule plutôt complexe, cette courbe est une fonction de densité, c'est-à-dire que la surface sous la courbe est remplie, en fait saturée de points de données. La distribution qui illustre la figure 3.5 est une loi normale centrée réduite. Elle est tracée avec une moyenne de 0 en son centre et une échelle déterminée. Les unités de l'écart-type, parfois appelées unités sigma, au niveau de référence. Cette distribution est unimodale. Elle a un seul mode ou poste. Elle est symétrique par rapport à son axe central, lequel est une ligne imaginaire élevée perpendiculairement du niveau de référence à la moyenne. La partie de la courbe située à gauche de l'axe est le reflet exact. À l'infini, se rapproche toujours sans jamais se toucher. Ce n'est évidemment vrai qu'en théorie. Dans la pratique, les données cessent à un certain point. Il faut souligner que presque toutes, environ 99,8%, la surface sous la courbe est contenue dans plus ou moins 3 unités de l'écart-type. Les distributions peuvent s'écarter de la normalité, à savoir de plusieurs façons. La figure 3.6 décrit ces écarts par rapport à la normalité. Le premier écart
plus ou moins pointu de la distribution. Une distribution leptocurtique est plutôt pointue et une distribution platycurtique est plus aplatie qu'une distribution normale. Un autre type d'écart de la normalité concerne la symétrie ou dissymétrie, soit le degré de symétrie entre les côtés droite et gauche de la courbe. Une asymétrie négative de chiffres à court terme, temps de réaction, force de préhension, et ainsi de suite pour de nombreuses autres variables. Cette tendance vers la normalité est tellement généralisée que, lorsque la distribution véritable d'une variable est inconnue, il n'est pas déraisonnable de présumer qu'elle est probablement normale. Especially French, because during the Christmas series,